Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette rubrique qui fait des ravages dans le monde entier. C'est un succès total. C'est des milliards de vues. Je suis dépassé par les événements. Bravo, franchement, vous êtes super. Hein. Aujourd'hui, vous le savez, on va découvrir un mot que l'on n'utilise pas, voire plus du tout, un mot qui va enrichir votre vocabulaire. On va essayer de découvrir ensemble, vous et moi, ce qu'il veut dire. Et puis ensuite, on regardera la définition dans le dictionnaire, la définition officielle, bien sûr. Ah ouais. Alors, le mot que je vous propose aujourd'hui, c'est, il s'inscrit sur l'écran, obduration. Qu'est-ce que veut bien pouvoir dire obduration? Alors, à mon avis, non, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi personnellement tout seul, découpons ce mot, obduration. Obsédé. Voilà. Duration. Dur. Donc, c'est un obsédé qui serait en érection. À mon avis, c'est quelque chose qui... Hein? Vous aussi, hein? On va regarder tout de suite. Comment on fait déjà? Hein? Ah oui, il faut tourner les pages. Alors, obduration. Non, c'est pas là. Ah ! Obduration. Alors. Mais c'est pas du tout ça. Il est débile, ce dictionnaire. Il y a longtemps, je vous le dis. Faut le changer, là, hein, parce que c'est de la merde, ça. Attends, ça dit que des conneries. Bon, ben, désolé, hein, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mot, avec un nouveau dictionnaire, hein, parce que là, bon, hé, oh, oh.